Bon alors, on arrive sur le dernier thème de la journée. Vous avez vu, j'ai l'impression que le thème de la religion a fait parler pas mal de monde. On a pas mal débriefé, c'était intéressant et très sympa. Alors, le dernier thème de la journée, je vais pas l'écrire parce que j'ai la flemme et qu'il est déjà... Merde, il est déjà 20h. Avec les jours qui s'allongent, on en perd la notion du temps. Donc, la planète. On est entre 320 et 270 millions d'années. C'est le moment du Carbonifère. Qu'est-ce que le Carbonifère ? La Pangée, la Terre actuelle, les continents actuels sont dans l'hémisphère sud. Il y fait chaud, il y fait bon. C'est colonisé à donf par les plantes, via les fleurs, via les conifères, via les fougères et tout ça. Il y a de la plante partout. Pourquoi on appelle ce moment le Carbonifère ? Parce que les plantes, elles consomment deux choses, du carbone, d'accord, et de l'eau, et de l'hydrogène. Elles mettent le carbone et l'hydrogène qui fait le bois, qui fait ensemble, ça fait la structure de l'arbre. Et ça relâche de l'oxygène. D'accord ? Donc beaucoup du carbone de l'atmosphère est immobilisé dans les arbres, dans la végétation, comme aujourd'hui. À ce moment-là, les végétaux qui meurent, oh, ils tombent. Il y a beaucoup de marécages. J'essaierai de vous montrer la vidéo qui relate ça. Et ces marécages, en fait, permettent au bois qui tombe dans l'eau de ne pas se décomposer, de ne pas être oxydé. Le fait de ne pas se décomposer, il est enfoui sous des tonnes de végétaux au fur et à mesure des millions d'années qui passent. Des grandes quantités de bois se mettent au fond des eaux, se pressent, commencent à chauffer avec la température de la Terre, un petit peu au fond de la Terre, et génèrent du charbon. Voilà, le Carbonifère, c'est le moment où le charbon qu'on a utilisé pendant tout le 19e siècle, s'est foutu partout. Le Carbonifère. Il y a un autre truc qui est essentiel. Pendant le Carbonifère, beaucoup d'arbres, donc ils immobilisent le carbone qui est dans l'atmosphère, mais ils relâchent beaucoup d'oxygène. Beaucoup d'oxygène signifie que les insectes, en fonction du taux, de la teneur en oxygène dans l'atmosphère, eh ben ils grossissent. Plus il y a d'oxygène, plus ils deviennent mastoc. Et donc cette époque-là, on a des fossiles de libellules de 2,50 m d'envergure, ou des youkul, vous savez les petits mille pattes là, avec la carapace de 3 mètres de long. J'essaierai de vous montrer aussi la vidéo pour que vous puissiez voir. C'est juste hallucinant ce qu'on a comme info. Regardez. Voilà. Bon, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion et après je me casse et je file. Ciao.